Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que le Seigneur bénisse notre modératrice. May God bless our moderator. Que le Seigneur lui comble encore de sa grâce. May God give her more grace. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. We bless the Lord our God. Qui nous a fait grâce. That had his mercy upon us. Afin que nous puissions nous retrouver ce soir. So we can be found today. Si le Seigneur n'avait pas permis, if the Lord did not permit it, toi et moi, you and me, on ne serait pas vivants. We wouldn't be alive. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. That's why we give him the glory. Nous disons grand merci à notre conducteur, and we'll also say thanks to our conductor, notre Père, le berger, our Father, qui ne cesse de nous faire toujours confiance. Who still has his thing upon us. Daddy, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons aussi pour votre ponctualité, for your time, pour votre obéissance, for your obedience, que vous ne cessez d'accorder toujours aux affaires de Dieu. That you won't stop according to the children of God. Nous sommes réveillés nombreux ce matin. We're so many on the earth. Les autres sont aussi en très bonne santé, comme toi, comme moi. There's some people that are also like you and me. Mais ils n'ont pas eu le temps de venir adorer le Seigneur. But they didn't have time to praise the Lord. Ils ont privilégié leurs activités. They privileged their activities. Mais toi, tu as tout abandonné. But you abandoned everything. Pour venir chercher d'abord la face du Seigneur. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous donnera par-dessus. Et vous avez obéi à la parole du Seigneur. Vous êtes venu d'abord l'adorer. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que les mois que nous venons de commencer soient un mois merveilleux pour vous. Que tout ce qui n'a pas marché les mois passés marche ces mois. Que le Seigneur soit votre conducteur. Que le Seigneur soit votre combattant. Que le Seigneur combatte ceux qui vont vous combattre. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont vous bénir. Que le Seigneur maudisse tous ceux qui vont vous maudir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous passons à la parole de cet après-midi. Là, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons trois passages que nous allons lire cet après-midi. We have three passages we'll read this afternoon. Nous allons d'abord prendre le livre de Jean. We're going to take John, chapitre 8. Nous prenons du 31e au 32e verset. We're going to take the 31st to the 32nd. Et le berger va nous aider avec le livre des Actes des Apôtres. And the thing will help us with the book. Chapitre 2. Chapter 2. Verset 46. Verse 46. Et nous allons terminer avec le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2. Nous lisons d'abord Jean, chapitre 8, 31e au 32e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Daniel peut nous aider avec le livre des Actes, chapitre 2, verset 46. Actes 2, 46. Nous lisons, vous pouvez vous asseoir. Nous lisons Colossiens chapitre 4, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps
pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères du Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Si on peut ajouter des cris de joie, ça sera aussi pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous voulons parler de notre thème ce soir, qui est intitulé Demeurer. Nous voulons parler de demeurer. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que aujourd'hui, étant des enfants de Dieu, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens prennent un peu beaucoup de temps dans les futilités. Beaucoup de chrétiens prennent beaucoup de temps aux choses qui ne payent même pas. Au lieu de prendre beaucoup de temps aux choses qui peuvent apporter un plus dans notre vie, mais la plupart des chrétiens prennent beaucoup de temps parfois aux choses mondaines, aux choses parfois qui ne peuvent pas nous produire des bénéfices. Alors, demeurer veut dire quoi? S'il faut chercher d'abord l'explication de ce verbe demeurer, demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire rester longtemps. C'est-à-dire, nous, étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, étant des ceux qui avaient dit au Seigneur, nous devons demeurer. Nous devons résider. Nous devons prendre le temps, non de servir qui est des choses du monde, mais nous devons beaucoup plus demeurer dans les choses de Dieu. Nous devons beaucoup plus demeurer dans la présence du Seigneur. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, nous devons prendre beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Bien aimé, lorsqu'on demeure dans la présence du Seigneur, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous fait briller des vies. La présence de Dieu nous amène une certaine gloire. Bien aimé, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, vous allez voir que vous allez attirer une certaine gloire vers vous. Bien aimé, étant enfant de Dieu, je suis venu vous dire ce soir que prenons le temps de demeurer dans la présence du Seigneur. Bien aimé, demeurer dans la présence du Seigneur, demeurer dans la présence de Dieu, fait de nous un homme différent. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, bien aimé, vous serez un homme différent parmi tant d'autres. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, vous serez un homme respecté. Vous serez un homme respectueux. Bien aimé, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, les gens vont vous respecter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, demeurer dans la présence de Dieu fera de vous un homme distingué. C'est-à-dire qu'au milieu des gens, même il y a plusieurs personnes, lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur, la présence du Seigneur fera que les gens puissent vous distinguer. Lorsque vous serez dans la présence du Seigneur, la présence du Seigneur sera que vous soyez un homme élevé. La présence du Seigneur, lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur fera que vous soyez un homme qui est élevé au milieu de plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Au lieu que les enfants de Dieu demeurent dans la présence du Seigneur pour attirer un peu ce qui peut nous donner de la vie, pour attirer une certaine élévation. Et vous allez constater que beaucoup d'enfants de Dieu demeurent beaucoup plus dans la futilité. Quelqu'un peut accepter de demeurer pendant plusieurs moments, pendant plusieurs temps,
pendant plusieurs heures dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Mais bien aimé, la personne est incapable de demeurer le plus qu'une heure dans la présence du Seigneur. La personne est incapable. Bien aimé, je suis venu te dire que étant enfant de Dieu, étant un chrétien, prends le temps de demeurer dans la présence du Seigneur. Au fur et à mesure, on demeure dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur est très importante pour nous. La présence du Seigneur, c'est très très capital. Nous devons rester longtemps dans la présence du Seigneur pour bénéficier ce que nous cherchons. Bien-aimé, ce que nous cherchons ne se trouve que dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, la délivrance que tu cherches ne se trouve que dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, demeurer dans la présence du Seigneur attire la bénédiction. Demeurer dans la présence du Seigneur attire l'élévation. Demeurer dans la présence du Seigneur attire la délivrance. Demeurer dans la présence du Seigneur peut facilement élever. Demeurer dans la présence du Seigneur peut facilement vous bénir. Et bien aimé, tu peux faire toute une année devant les réseaux sociaux. Tu peux faire toute une journée devant la télévision. Bien aimé, cela ne t'appellera jamais. Mais il suffit seulement de prendre une heure dans la présence du Seigneur. Bien aimé, c'est bénéfique pour notre vie. Bien aimé, étant enfant de Dieu, demeure dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont incapables de prendre beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Mais la personne peut accepter prendre 10 heures pour son travail. Prendre 8 heures pour son travail. Mais la personne est incapable de prendre ne plus que 2 heures dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te révolter ce soir. Bien-aimé, prends le temps de demeurer dans la présence du Seigneur. Demeurer dans la présence du Seigneur va vous attirer la délivrance. Demeurer dans la présence du Seigneur, bien-aimé, pourra vous élever. Demeurer dans la présence du Seigneur, bien-aimé, fait prier de vie. La présence du Seigneur, c'est très bénéfique pour nous. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Demeurons dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, quand nous regardons dans l'Église primitive, la Bible dit ceci, qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient tous unis. Les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient là, en train de prier. Ils demeuraient, ils prenaient le temps dans la prière. Bien-aimé, étant que chrétien, je suis venu te dire, nous devons demeurer dans la prière. Bien-aimé, demeurer dans la prière attire la gloire de Dieu. Bien-aimé, demeurer dans la vie de prière peut facilement changer les données. Bien-aimé, lorsqu'on demeure dans la vie de prière, bien-aimé, ce qui a été difficile peut facilement devenir facile. Pourquoi? Puisqu'on prend le temps de demeurer dans la vie de prière. Bien-aimé, lorsqu'on demeure dans la vie de prière, la prière peut facilement changer les données. Bien-aimé, la prière, c'est une clé passe-partout. La prière, c'est une clé qui peut facilement ouvrir toutes les portes. Bien-aimé, si jusque là, tu es incapable de trouver ce que tu cherches, puisque jusque là, tu n'as pas encore pris le temps dans la présence du Seigneur. Puisque jusque là, tu n'as pas encore demeuré dans la vie de prière. Bien-aimé, lorsqu'on demeure dans la vie de prière, bien-aimé, c'est facile de trouver les choses que nous cherchons. Lorsqu'on demeure dans la vie de prière, bien-aimé, c'est facile que ce qui a été bloqué soit débloqué. La vie de prière. La prière change beaucoup de données. Bien-aimé, aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens
surtout les chrétiens de l'étranger, les chrétiens des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils diront? Oh non, moi je suis fatigué. Je suis incapable de prier le fils une heure, deux heures. La personne se dit, moi je suis fatigué. La personne est incapable de prendre le fils 30 minutes dans la prière. Bien aimé, toi tu as des problèmes. Comment tu veux qu'un ambassadeur là-haut, il y a un problème aux anamos, mais aux est incapable de prendre le fils 30 minutes pour la prière. Tu as la force de prendre 10 heures pour le travail, mais tu es incapable. Tu n'as pas la force de prendre le fils 30 minutes dans la présence du Seigneur. Bien aimé, je suis venu te dire que ce que tu cherches, tu n'en trouveras même pas. Pourquoi? Puisque tu es incapable de prendre le fils 20 minutes, de prendre le fils 30 minutes dans la prière. Bien aimé, la prière, c'est très important. La prière, c'est très important. Bien aimé, dans des pays où nous vivons, bien aimé, sans la prière, bien aimé, il sera difficile. Sans la prière, il sera difficile. Les diables connaissent. Les diables savent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, pour eux, je vais les charger pour le travail, afin qu'ils soient incapables de prier. Bien aimé, la stratégie que les Égyptiens ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surchargé les enfants d'Israël dans les captivités, à la captivité en Égypte. Ils leur ont donné les corvées. Les enfants d'Israël ont été surchargés. Pourquoi? Pour qu'ils soient incapables de prendre l'état de servir le Seigneur. Bien aimé, je suis venu te dire que, bien aimé, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la vie de prière. Bien qu'il y a des travaux. Et bien aimé, la Bible dit, chaque chose a son temps. Prends le temps pour le travail. Prends le temps pour la prière. Bien aimé, la plupart des immigrants ont aujourd'hui un sérieux problème. Pourquoi? Puisque ma vie, dans la bande, on est ensemble. Ils sont incapables. Il y a un look de la paix, ils ont des temps. Ils ont vie dans la bande. C'est pourquoi vous allez voir, la personne a mis beaucoup plus de travail. Il est incapable de prier. Diable a saliné. Il a tout saliné. Quand on y pèse beaucoup plus, c'est un moustala là. Et diable a beaucoup de facilité. Il y a un tchalo pour la vie. Pourquoi? Puisque vous êtes incapables de s'amener. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Devant les combats que nous avons, devant les situations que nous avons, et l'homme qui est là, il s'abissait. Et ça, c'est la vie de prière. Bien aimé, et tant qu'enfant de Dieu, ce que vous dites, vie de prière, les a soufflé. Bien aimé, c'est que vie est commis en danger. Et tant qu'enfant de Dieu, si tu te sens maintenant incapable de prier le fils pendant 30 minutes, bien aimé, tu dois te dire que ta vie est maintenant en danger. La vie de ta famille est maintenant en danger. Bien aimé, demeure dans la vie de prière. Lorsqu'on demeure dans la vie de prière, bien aimé, c'est facile. It's easy. Que les vies changent. Lorsqu'on demeure dans la vie de prière, c'est facile. It's easy. Que tout ce que nous cherchons, nous puissions trouver solution. La prière, bien aimé, change les données. Bien aimé, ce qui traîne, ça traîne jusque-là, puisque tu n'as pas encore prié. Ce que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé, puisque jusque-là, la vie de prière est encore faible. Les gens ont des raisons. Les travails. Mais vous allez voir, la personne, les samedis, n'a pas travaillé. Mais la personne est incapable de faire un fils qui est les jeûnes et prières. Le fils est d'une demi-journée. Incapable. Bien, nous autres trouvons mon normal. Au moins, maintenant qu'on fasse une heure d'âme, journée mobile, Moussa l'a exalté. Au l'amour, il peut dire dis pourquoi. Bien aimé, on vend des téléphones. On l'a mis téléphone, on est la télévision. On l'a mis télévision, au lieu. Aussi, si on l'a au mairie. Aussi, si on l'a au son, il a pongi.
Vous allez constater que
il y a un peu. La vie des prières a baissé. La vie des prières a baissé. Bien-aimés, demeurons dans la vie des prières. Prenons le temps de prier. La prière, c'est très important. Bien-aimés, à part la vie des prières auxquelles nous devons demeurer, étant qu'un chrétien, nous devons aussi demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimés, combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de lire la parole de Dieu? Combien de migrants ou immigrants aujourd'hui lisent la parole de Dieu? La personne dort, il se réveille le matin. C'est maintenant au travail. Il quitte le travail à la maison. À la maison, il mange. Après, on m'a donné le téléphone. Après, il dort. Demain, il se réveille. Ça devient une certaine habitude. Mais un enfant de Dieu est incapable de lire la parole de Dieu. Mais vous vous sentez comment? Lorsque vous faites un mois sans pouvoir lire la parole de Dieu, un chrétien se sent comment? Un mois, une semaine, deux semaines sans lire la parole de Dieu. Mais bien aimé, cet enfant de Dieu là, bien aimé, chaque jour, il est aux réseaux sociaux. Chaque jour, 1h, 2h, 3h, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est où? Mais bien aimé, le temps que vous donnez sur WhatsApp, sur Facebook, vous ne pouvez pas prendre le temps de lire la parole de Dieu. Bien aimé, je suis venu vous rassurer. Vous pouvez faire une année sur WhatsApp, sur Facebook, sur tout, bien aimé. Ça ne changera pas votre vie. Même ce que vous cherchez ne se trouve que dans la parole de Dieu. Même c'est dans la parole, on pouvait tout trouver. Même la délivrance que vous avez besoin ne se trouve que dans la parole de Dieu. Même la paix que vous cherchez ne se trouve que dans la parole de Dieu. Même l'argent que vous cherchez ne se trouve que dans la parole de Dieu. Même je suis venu vous dire ce soir que prenez le temps de lire la parole de Dieu. Même c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons tout trouver. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir la délivrance. La parole de Dieu, c'est très très important. Bien aimé, la parole de Dieu peut facilement vous élever. La parole de Dieu peut facilement vous bénir. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Bien aimé, on peut faire un mois, une semaine, sans lire la parole de Dieu. C'est impossible. Là, vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous demeurons dans les fidélités. Nous demeurons aux choses du monde. Nous demeurons à ce qu'il ne paye même pas. Demandez aujourd'hui à un chrétien incapable de vous donner un fils une référence biblique. Incapable de vous donner un fils de retenir un fils qui est un verset biblique. Mais on s'appelle chrétien. On s'appelle enfant de Dieu. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, étant qu'un chrétien, vous pouvez aussi faire un programme. Dites que moi, je rentre du boulot. Je me repose. Par jour, je dois lire le fils un verset biblique. Bien aimé, faites cette expérience-là. Revenez du boulot. Même si vous êtes fatigué, prenez le temps de dire non. Je vais faire un effort. Par jour, je vais lire le fils qui est un verset biblique. Commencez au début. Prenez-le-nous l'Ancien Testament. Dites-moi, je vais commencer par l'Ancien Testament. Je commence. Les premiers livres. Chaque jour, je viens. Je lis un verset biblique. Je commence par Genèse. Je lis Genèse chapitre 1. Et par exemple, du premier, par exemple, au 5e verset. Vous lisez. Vous prenez votre Bible. Vous souvenez là où vous êtes arrêté.
Deuxième jour, vous venez juste 5 minutes. Vous commencez là où vous êtes arrêté. Bien-aimé, vous allez voir. Il y a certaines choses que vous cherchez. Bien-aimé, au bas de l'air, on aura beaucoup de facilité. Bien-aimé, faites cette expérience. La parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous cherchons, c'est trouvé ici dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la source de tout. La parole est la source de tout. Bien-aimé, aujourd'hui, ce ne sont que les chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne lisent pas la Bible. Et bien-aimé, allez chez les musulmans. Vous allez voir un musulman. C'est difficile de faire une semaine d'essai, mais ça pourra considérer le Coran. Il peut facilement commencer à vous donner les passages du Coran. Mais bien-aimé, on s'appelle chrétien. On s'appelle chrétien. Bien-aimé, je suis venu te dire de demeurer dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous aurons des solutions pour tous nos problèmes. C'est dans la parole de Dieu que nous aurons tout ce que nous cherchons. Dans Jean 8, 31 à 32, le Seigneur dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Bien-aimés, on ne peut pas être un disciple. On ne peut pas être un enfant de Dieu lorsqu'on ne demeure pas dans la parole de Dieu. Lorsqu'on ne demeure pas dans la parole de Dieu, bien-aimé, vous n'êtes pas un disciple. La fois passée, notre berger nous a parlé la différence entre un chrétien et un disciple. Bien-aimé, est-ce que vous êtes un chrétien ou vous êtes un disciple? Bien-aimé, soyez un disciple. Soyez un disciple. Bien-aimé, vous allez voir un juriste. Un juriste pour lui, son outil, c'est le code. Soit le code pénal, le code de la famille, tout ça. Lorsqu'il part à un procès, vous allez voir cet avocat-là, ce juge, il va commencer à faire sortir des articles. Il dit tel article, ça dit ceci, telle loi, ça dit ceci, telle loi, ça dit ceci. Bien-aimé pour nous aussi. Notre loi, c'est la Bible. Nous devons être à mesure de maîtriser cette Bible. Bien-aimé, tu es un chrétien. Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Nous sommes focalisés seulement au travail. Nous sommes focalisés au travail. Combien de chrétiens prennent le temps de lire la Bible aujourd'hui? Bien-aimé, je suis venu vous dire que prenons le temps. Demeurons dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons tout trouver. Bien-aimé, la délivrance que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. La bénédiction que nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus est venu parler aujourd'hui aux chrétiens immigrants qui sont seulement focalisés pour le travail. 8 heures pour le travail. 10 heures pour le travail. Nous trouvons le temps pour le travail. Puisque nous savons que le travail, ça nous donnera de l'argent. Mais bien-aimés, nous sommes incapables de prendre jusqu'à 20 minutes, 30 minutes pour lire la parole de Dieu. Bien-aimés, je suis venu te dire que le travail passera, l'argent passera, les maisons passeront, les véhicules passeront. Mais la Bible dit ceci, il y a seulement une seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, prends le temps de lire la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons ne se trouve que dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui prends le temps de lire la parole de Dieu. It's for you to take time to read the word of God. Chrétien immigrant. You're an immigrant Christian. Tu prends le temps de lire la parole de Dieu. Do you take time to read the word of God? Tu es un chrétien au Congo. Tu prenais le temps de lire la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es arrivé aux États-Unis. Bien-aimé, tu as pris la Bible. Tu as fermé, tu as jeté. Bien-aimé, regardez aujourd'hui. C'est depuis quand tu as ouvert ta Bible.
Les autres chrétiens, par contre, font la Bible et la barre au cas à ceux qui aillent à l'église. D'ailleurs, nombreux n'en ont même pas. Nombreux n'en ont même pas. Faites cette expérience là. Combien de chrétiens ont des Bibles aujourd'hui? Combien de chrétiens ont des Bibles? Il y a des gens qui se promènent avec les Bibles dans leur téléphone. Mais il est incapable de lire même la Bible qui se trouve dans son téléphone. Bien aimé, ça c'est grave. Bien aimé, je suis venu te dire, étant qu'un chrétien, si vous constatez que vous avez le dégoût de lire la parole de Dieu, vous avez le dégoût de la prière, bien aimé, vous êtes un chrétien. Vous n'êtes plus un chrétien. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien aimé, je suis venu te dire, t'aimer. Nous avons parlé, il faut t'aimer dans la vie de prière. Étant qu'un chrétien, étant qu'un enfant de Dieu, bien aimé, nous devons demeurer dans la vie de prière. Bien aimé, la prière change les données. La prière, c'est une clé qui peut ouvrir toutes les portes. La prière peut changer les situations qui étaient difficiles. Bien aimé, prenons le temps de prendre le temps dans la prière. La prière. Demeurer dans la prière. Bien aimé, enfin, étant des enfants de Dieu, bien aimé, nous devons demeurer dans la vie de sanctification et dans la vie de crédibilité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimé, ils ont dit non, la crainte de Dieu, là, ça nous concerne. La sanctification, ça nous concerne pas. Bien aimé, tu craignais Dieu quand tu étais au Congo. Tu étais un chrétien qui craignait Dieu. Tu marchais dans la vie de sanctification. Bien aimé, tu es arrivé à l'étranger. Tu es arrivé en Europe. Tu es arrivé aux États-Unis. Bien aimé, crée dans un beau Django Wad. Où tu es crée dans un beau Wad? Quelqu'un qui priait au Congo. Il est arrivé aux États-Unis. Il ne fait pas batoyer parce qu'au Congo il était intercesseur. Frère, comme il va mettre la massacre. Le frère devait, il devait un coureur de chiffon. Bon, moi, je suis un petit. Bien aimé, je suis venu te dire. Bien aimé, étant qu'enfant de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la vie de sanctification. Marchons dans la vie de sanctification. Quelqu'un qui était frère au Congo, en a encore des sous-lidés, en combien d'États-Unis, lui, il a comme un sous. Quelqu'un qui était sœur au Congo, on l'a donné à dire malade, on a sœur à Congo, il va mini-chip, il va me pousser, il commence à faire de n'importe quoi. Frère, et c'est venu de dire, les jugements est arrivé. Craignons Dieu. Les seigneurs incapables. Y'a un balayo. Azot Sobisuko Udaï. Bien aimé, Toba Mazabe. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sanctification. Bien aimé, tu étais frère au Congo. Tu étais chrétien au Congo. Aux États-Unis, reste frère. Aux États-Unis, reste sœur. Bien aimé, c'est en ce moment. Le Seigneur te bénira. Bien aimé, t'as enfant de Dieu. Je suis venu réveiller votre attention. Et nous avons l'obligation de marcher dans la crainte de Dieu. De marcher dans la vie de sanctification. De demeurer dans la vie de prière. De demeurer au pied de Jésus. Là, le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.